Aujourd'hui, nous allons dessiner quoi, Lévi? Une maison. Bonjour les artistes, bienvenue sur dessinpourenfants.com. Aujourd'hui, nous allons dessiner quoi, Lévi? Une maison. Avec les fenêtres, la porte, le toit, la cheminée. Et puis aussi peut-être des arbres à côté. Ouais. En tout cas, les enfants, ils aiment bien dessiner les maisons parce que c'est un petit peu là où on habite, c'est un petit peu notre chez-soi, c'est notre nid douillet, hein. Qu'est-ce qu'il nous faut pour dessiner une maison, Lévi? Feuilles, crayons, un stylo. Ou alors des crayons de couleur ou des stylos de couleur. C'est parti! Tout ça au stylo! On va dessiner notre maison ici, au milieu de notre feuille. Donc, on va commencer par dessiner une sorte de rectangle. Comme ça. Pas complet, mais... ou rectangle ou plutôt carré, hein, en fait. Maintenant, on va dessiner le toit. Donc, en fait, on va dessiner en fait, le haut d'un triangle. Mm-hmm. Ensuite, on va mettre une épaisseur pour le toit. Donc, on fait... hop, on fait un petit trait et on redessine exactement en parallèle de notre toit. Ouais, super. Maintenant, on va dessiner une porte. Alors, une porte, c'est un rectangle, comme ça. Mmh, super. On va maintenant dessiner une poignée. Alors, on peut dessiner, donc, hop, un rectangle, mais avec les coins arrondis. On peut essayer de dessiner un rond. Ou alors un rond, si on veut. Moi, je fais une comme ça, avec le rond ici. On peut dessiner, si on veut, une petite fenêtre à notre porte. Ouais. Maintenant, à côté, on va dessiner une fenêtre. On dessine un rectangle. Mmh. On peut dessiner tout autour de notre porte et de notre fenêtre une petite épaisseur. Ça pour donner un côté un peu plus réaliste. Voilà. On met encore une chambre ici en haut. Une petite fenêtre. On va dessiner une petite fenêtre. On peut dessiner une fenêtre ronde si on veut. Hop. En fait, ça fait un petit peu la sorte de cave. Et là aussi, on met une petite épaisseur tout autour. Hop. Et voilà. On va mettre une petite cheminée, si on veut. On peut la mettre à droite ou à gauche, comme on veut. Hop, un rectangle ici, comme ça. Oui, avec de la fumée. Donc, ça fait un petit peu des... hop, comme ça. Super. Maintenant, on peut maintenant rajouter des détails. Ou alors, on peut aussi ajouter un arbre. On peut le mettre où on veut. Des arrondis. Moi, je vais les mettre de ce côté-là, mon arbre. Donc, un peu comme des nuages, avec des branches et le tronc ici. Puis moi, je fais la voiture. Tu fais une voiture, mais c'est une super idée. Ou alors, on peut dessiner aussi un... qu'est-ce qu'on pourrait dessiner encore? Un vélo. On peut dessiner un vélo. Comme ça. On dessine ce qu'on veut à côté de la maison. Hop. Puis je vais aussi dessiner une boîte aux lettres. Mmh, bonne idée. C'est super, avec le dessin, on peut faire preuve de plein d'imagination. Moi, je vais dessiner un petit buisson vers la maison. Et je dessine ici un trait droit pour donner l'impression du sol, tu vois. Le sol, il est là. Et maintenant, je vais commencer à mettre des détails sur ma maison. Les fenêtres,
je peux mettre des rideaux, comme ça. Ici, on peut mettre une petite fenêtre aussi. Et là. Elle est bien notre maison, hein? Là, on peut, hop, je fais des petits détails sur mon arbre. Quelques petits détails comme ça. Les détails, ça donne un côté plus réaliste. On peut mettre une petite épaisseur à notre cheminée. On peut dessiner, si on veut, un soleil, des oiseaux. Et finalement, ça peut être à l'infini. Une fois qu'on a terminé notre maison et tout ce qu'il y a autour, il nous suffit plus qu'à la... colorier. C'est parti! Et voilà notre maison, elle est magnifique ta maison Lévi, tu l'as fait de plein de couleurs, tu as rajouté plein d'accessoires, une voiture, un vélo, un paillasson, une boîte aux lettres, tu peux la montrer à nos amis, c'est magnifique. Est-ce que tu as eu du plaisir à dessiner une maison Lévi? Oui. Oui, beaucoup, et ça c'est le principal, c'est d'avoir du plaisir quand on dessine. N'oubliez pas d'aller télécharger votre cahier de dessin gratuit qui se trouve sous la description. Et qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis, Lévi? Au revoir! Au revoir pour de prochaines vidéos!